Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. Alors, j'ai une première carte qui a sauté et les deux autres qui sont arrivées. Alors, nous avons en première carte ici la carte de l'étoile. Alors, je vais continuer comme ça. En deuxième, nous avons la carte du conflit. Ah, elle veut pas tenir. La carte du conflit et la carte du renard. Alors, j'essaie de recentrer que vous voyez bien correctement. Pour moi ici, ça va nous parler dans plusieurs domaines. Pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, ça peut nous parler d'un conflit intérieur où c'est qu'il faudra travailler dessus. D'accord ? Travailler sur ce conflit intérieur, vous avez un blocage à l'intérieur de vous qu'il vous faut travailler. C'est là le message qu'on essaie de vous faire passer. Pour d'autres qui ne sont pas dans la recherche de... comment vous expliquer ? Dans leur propre recherche intérieure, ici, on va nous parler peut-être d'un conflit concernant un espoir que vous aviez. Ça peut être en rapport avec le travail, hein. Il peut y avoir quelque chose de conflictuel ici, au niveau du travail. Peut-être que vous aviez dans l'espoir d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, et on vous dit que c'est pas forcément le bon moment, en fait. C'est comme ça que je ressens la chose, hein. Si vous aviez peut-être demandé une promotion ou comme ça, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Nous allons regarder, voilà. Ça prend du temps, d'accord ? Pour certains d'entre vous, si c'est dans le domaine du professionnel, ça prend encore un peu de temps. Donc, il faudra être encore un petit peu patient et patiente. Évidemment, ces énergies sont valables autant pour les féminines que pour les masculins. Je tiens à le préciser parce qu'on m'a posé déjà la question. Et les énergies, justement, sont compatibles avec le masculin et le féminin. Voilà. Ensuite, concernant ceux qui sont actuellement dans le domaine de la spiritualité, on vous dit que c'est un long chemin. D'accord ? C'est un chemin de patience et de persévérance. Voilà ce qu'on essaie de vous dire à travers cette carte ici, à travers la carte de la croix. Ça peut vous apporter beaucoup de choses. Ça peut vous aider aussi très certainement à travailler le conflit intérieur ici pour aussi très bien nous révéler justement que c'est un conflit en référence avec une certaine souffrance que vous avez et qu'il faut travailler. D'accord ? Il vous faut travailler sur cette souffrance certainement du passé pour pouvoir avancer ici. C'est là ce qu'on vous demande de faire. Voilà, on va essayer de prendre une carte synthèse, pardon. Carte synthèse pour la journée. J'aurais aimé vous dire de meilleures nouvelles, vu que ça va être justement les petites vacances pour certains d'entre vous, hein, vu qu'il y aura certainement 4 jours consécutifs pour la plupart. On vous dit que le nouveau, il est temps de faire place aux nouvelles choses ici. Voilà ce que je peux vous dire. Il est temps d'accueillir les nouvelles énergies pour certains d'entre vous dans le domaine de la spiritualité. Il est temps d'accueillir ces nouvelles énergies. Pour ceux qui sont dans le domaine professionnel ici, on vous dit qu'il y aura de nouvelles choses qui vont vous être révélées, mais ce n'est pas encore le moment, d'accord ? Ça prend encore un peu plus de temps. Évidemment, les guidances, quand je les fais, je dicte justement que c'est les énergies du jour. Je tiens aussi à préciser que ces énergies sont intemporelles, que pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est que vous y avez été dirigé. Donc, elle peut aussi très bien vous correspondre plus tard dans le futur. C'est pour ça que je ne les date pas, en fait, mes vidéos, pour toute vidéo que je fais. Donc, voilà, petite parenthèse refermée. Pour ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse email qui figure en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Merci.